Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau mukbang. Oui, une vidéo encore où on va parler bouffe, où on va manger. Ça fait toujours, toujours, toujours plaisir. J'ai fait déjà plusieurs mukbangs sur la chaîne. Vous aviez d'ailleurs voté pour l'un d'entre eux. J'ai déjà fait un mukbang McDonald's. Je vous avais demandé de voter entre KFC et Burger King. J'ai écouté vos votes. J'ai donc fait ce mukbang Burger King. Et à l'heure actuelle, je ne vous ai pas fait voter pour le mukbang que je vais faire maintenant, tout de suite, là maintenant, parce qu'en plus je pète la dalle. Je voulais absolument faire ce mukbang KFC parce que vraiment entre Burger King et KFC, ça s'est joué mais vraiment un chouïa, un tout petit pourcentage. Donc je me suis dit, il y a vraiment des gens qui veulent aussi voir un mukbang KFC, donc c'est parti. Alors, pour le mukbang KFC, voilà, on va commencer par ça, le sac, hein, bien entendu. Bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du coup, j'ai pris des frites. Je bois les frites. Voilà. Et je me suis pris un bucket. Voilà. Alors généralement ça c'est pour deux. Hein. Normalement il y a des buckets avec des tenders, donc c'est des blancs de poulet avec des ailes de poulet, etc., etc. Mais moi les ailes, je kiffe pas trop. Puis je trouve que c'est chiant à bouffer aussi. Franchement, alors que les blancs de poulet, ça va, tu croques dedans, tu manges, y a pas de souci. Du coup. Là, il n'y a que des tenders et elle m'a dit, mais le bucket, c'est pour deux personnes. C'est pas grave, allez-y, envoyez le pâté là, c'est bon, on va essayer de gérer. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir tout manger, d'autant plus que j'ai une frite à côté. Mais pour faire descendre le tout, je me suis pris, alors chez KFC, il ne faut pas de coca, c'est dommage. Mais ça sera du Pepsi, voilà. Donc, les serviettes qui vont bien et en plus... Donc, il propose trois types de sauces. Alors, pour les types de sauces, j'ai pris une sauce bien épicée. Dédicace à tous ceux qui veulent que je fasse d'ailleurs le Spicy Noodle Challenge. Là, les nouilles, je sais pas trop quoi d'ailleurs. Ça risque d'arriver sur la chaîne, hein, bien entendu. Donc, on a cette sauce-là. On a une sauce classique, barbecue. Et on a, non, voilà, la sauce originale. Donc, je voulais la goûter. Comme ça, au moins, on a les trois sauces. C'est parti, on va pouvoir bouffer. Bon, le sac, on n'en a plus besoin. On va pouvoir prendre nos aises. C'est-à-dire, voilà, la boisson ici, les sauces. On va commencer à déballer bien gentiment. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire quel autre type de mukbang vous voulez voir sur la chaîne. Ça me ferait toujours plaisir de le faire. De toute façon, on parle de bouffe, c'est cool, c'est bien. Le bucket, ça se présente comme ça. On ouvre. Ah ouais, quand même, c'est grand. Hein. Ah ouais. Alors, les blancs poulets, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est grand. Hein. Bon, vous ne voulez pas, les gens, je commence. Je le redirai jamais assez. Qu'est-ce que ça fait du bien de bouffer quand t'as faim? Ah, c'est bon. Très bon. Bon. Avec la sauce originale. C'est pas mauvais. Alors, les blancs, hein, les tenders, en trois bouchées, c'est terminé, hein, apparemment. On va reprendre un coup d'original, là. Je vais pas dire que c'est plus diète que le McDo et le Burger King. De toute façon, on peut pas dire que les fast-food, ça soit diète, à moins de prendre une salade. Et encore, je sais pas combien il y en a. On se dit au deuxième. Bon, alors, c'est laquelle celle-là? La épicée. Ouais, parce que la barbecue, elle a bien sa couleur originale. Bien marron foncé. Bah, excusez-moi de vous dire, mais la sauce épicée, elle casse pas des barres, hein. Ouais, ça va qu'elle est épicée. En plus, je vous dis ça, je mange, je pète la dalle parce qu'il est 2h30. Hein. Je suis en train de faire un vlog en plus, là-dessus. Franchement, c'est super bon. J'espère que j'aurai encore de la place pour les frites. On verra bien. On va manger la viande, c'est le plus important. Bon, on va goûter la barbecue, hein. Franchement, le bucket pour deux, quand tu le vois comme ça, il fait pas rire. Mais quand t'as vraiment la dalle et en plus que t'as rien bouffé le matin, je pense que le bucket, je vais l'éclater. Allez, encore un peu de barbecue, là. En plus, ça va, j'ai eu de la chance, il n'y avait personne au drive. Premier drive que je faisais chez KFC.
J'y ai mangé deux fois, plus celle-là, ça fera trois, mais j'ai jamais fait le drive encore. Je savais même pas comment expliquer à la gonzesse que je voulais un bucket, mais que avec des tenders. Je me suis dit, en fait, les pauvres, je vais les faire chier. Elle m'a dit, non, c'est possible, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Ah ouais, pas de problème. Ouais, bah, mettez-moi ça, s'il vous plaît. Bon, un petit peu d'original. La panure, bien, hein. On trouve des endroits avec plus de panure que de poulet. Alors, je suis désolé, hein, je parle la bouche pleine. Mais je fais l'effort d'arrêter de mâcher quand même. Ouais. Non, mais c'est cool, hein. C'est bien. C'est normalement, je vais le faire en plus. À mon avis, le poulet, je vais l'éclater. Par contre, est-ce qu'il y a un reste de la place pour les frites? T'as pas pris de glace? Ah ouais. Ouais. C'est plus sage. De blanc de poulet, qu'est-ce que c'est bon? Je dis ça, mais ça manquerait peut-être d'harissa. Ouais, la sauce pimentée là. Bien, 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 bien. Ouais, on retourne sur la sauce épicée. On m'avait même proposé dans les commentaires que je fasse des challenges à vos mélanges bizarres. Donc, pour info, hein, si vous voulez que je le fasse. Dites-le moi dans les commentaires. Par contre, je vous prierai de ne pas me faire n'importe quoi au niveau des mélanges. Ça va quoi finir malade, ça. Non, c'est bon, hein. Ça, c'est bon. Bon, il reste combien? 5 blancs de poulet, les gens. 5. Après celui-là. Je pense que ça peut le faire. Mais les frites, à mon avis, elles vont passer à l'as. Pour boire un petit coup, moi. Je commence à avoir la gorge sèche. Petit coup de Pepsi derrière la cravate. Ah ouais, c'est du Pepsi, c'est pas du coco. Hein. On s'y remet, sauce barbecue. Plus que 4. Ça descend à vue d'œil. Et je sens que j'ai l'estomac qui commence à bien se remplir. Hein. J'ai vraiment pas avoir faim cet après-midi. Hein. En plus, ça tombe bien, j'ai plein de choses à faire, ça va me faire digérer. Et après les courses de cet après-midi, je comptais me reposer tranquillement devant un petit marathon Game of Thrones pour me refaire toute la saison 7 avant de voir la saison 8, bien entendu, pour être bien au courant de tous les personnages, de tout ce qu'ils ont fait, etc., de l'évolution, enfin, bref. Ça va être un coup, je vais m'endormir. On arrive à la fin, hein. 3. Là-bas avant-dernier. Bien épais celui-là. Hein. Oh la vache. En plus, ce poulet, ça cale bien. Hein. Un truc de fou. Hein. Dans l'original, je trouve qu'il y a un peu de mayonnaise. Je crois que définitivement les frites, je vais les remettre à plus tard. J'ai voulu faire le wire, mais ça me tentait trop de faire un bucket uniquement de tenders. Et ils disent les buckets, c'est pour deux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, quand vous allez à KFC, c'est quoi votre menu préféré? Prenez les buckets, prenez les sandwichs, la boisson, une glace? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça pourrait être cool. Et à votre. Ça fait du bien de boire quand on a soif. L'avant-dernier, on va faire les dingues. Épicé. Et barbecue. Mmh. Au revoir. Ça passe. Dernier. Y'a plus rien, y'a plus que les miettes. J'en peux plus. Original. Épicé.
Barbecue. On va essayer de faire couler dessus. Ça va se barrer. Ah, voilà. Allez. Allez, trois en même temps, c'est pas génial. Non, je dirais même que c'est dégueulasse. Oubliez ce mélange-là. Bon ben, je suis bien content. Ouais, on va finir avec quoi? Allez, l'épicé. Pour le challenge. Ouais, ben voilà. En tout cas, oh vache. Ah ouais. Ouais, quand tu mets... Faut vraiment mettre la dose d'épicé pour la sentir, hein. Parce que ça te tapisse la gorge. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, on la sent mieux maintenant. Ouais. Oh. Je vais en boire un peu parce que bon, mais bah, c'était bien bon. C'était bien bon. Les frites, franchement, les. J'ai pas le courage. J'ai pas le courage. Je vais les garder pour plus tard. Parce que là, un bucket pour deux à moi tout seul de tenders, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc bon, c'était pas un défi de tout manger non plus, hein, mais bon, je vais me les garder pour ce soir. Pour 4 heures. Enfin 4 heures, c'est dans 1h10. Bon, ouais. On va revoir un coup, hein. Ça fait toujours plaisir. Toujours le bien. Et voilà, j'ai repris des forces pour tout l'après-midi là. Là, je suis pareil. C'est parti les gens, on y va, shopping. Ouais. Bon ben voilà, mukbang KFC terminé. Bon, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez un autre mukbang. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire bah, si vous voulez me voir manger des sandwichs particuliers. Surtout si vous voulez que je vous refasse par exemple un mukbang McDo, Burger King, KFC. Il y en a qui m'ont proposé au tacos aussi, j'ai vu ça il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel type de sandwich vous voudriez me voir manger. Bon, surtout que... Alors par contre, tout ce qui est McDo, KFC, Burger King, je prendrai surtout des sandwichs qui existent dans le moment. C'est-à-dire que si vous me proposez un sandwich qui n'existe plus au moment où je fais la vidéo, bah, j'en prendrai un autre qu'on m'a proposé, bien entendu. Hein. Encore une vidéo de bouffe terminée. C'était bien cool. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous pour manger ce bucket de deux personnes tout seul. Bon, les gens diront peut-être que j'ai aucun mérite parce qu'il y en a peut-être qui s'enfilent ça derrière la cravate sans problème. Plus les frites, évidemment, que j'ai laissées. Plus peut-être un burger. Enfin bon, trop manger, c'est pas bien bon non plus pour la ligne. Hein. Du coup, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!